Salut les amis, voici maintenant le nouveau numéro de Mad Movies qui vient de sortir. Voilà. Excellente couverture, on n'en attendait pas mieux. Je trouve très belle la couverture, donc un bon début d'année. Voilà, pour Mad Movies qui nous annonce le SOS Fantôme, vous voyez. Très belle couverture. Voilà. Et on va voir tout ça en images. Hormis les news habituelles, édito, etc. Alors je vais vous faire quelques sélections du magazine. Dark Stories. Voilà, Dark Stories, c'est quoi? C'est une collaboration entre Guillaume Lubrano, Métal Hurlant. Vous savez, vous vous souvenez de cette série Métal Hurlant? L'adaptation télé de français avec Guillaume Lubrano. Et collaboration avec François Descraques. Oui, c'est la bonne surprise de l'année, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire l'interview dans ce nouveau numéro de Mad Movies. Voilà, donc collaboration entre François Descraques et Guillaume Lubrano à lire dans ce nouveau numéro de Mad Movies. Voilà. Pour ceux qui, je les invite donc à découvrir. Ensuite, The Irishman, voilà, un des meilleurs films, l'un des meilleurs films Netflix de ce début d'année. Annonce d'un hors-série Star Wars, hein, réudaté, ce qui était déjà sorti, voilà, ce qui précède d'ailleurs la critique de l'écran fantastique sur le dernier film. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné, mes chers amis? 2020, notre année sauvage. Voilà, de la rédaction de l'écran fantastique. Voilà, à découvrir aussi. Les séries de l'année 2020, on sait, en 2 pages. Voilà. Le bilan de l'année 2019. Je monte pas tout exprès. Pour pas, voilà. 2019, le bilan. Voilà, donc il y a quand même quelques pages de tous les rédacteurs de. Alors, ils mettent chacun, ils disent leur top et leur flop, en fait, chaque rédacteur de Mad Movies. Pourquoi Mad Max Fury Road est-il, voilà, le meilleur film de la décennie? Pourquoi? La réponse dans ce nouveau numéro de Mad Movies. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui. Makoto Shinkai, les enfants du temps. Ouais. Un des meilleurs réalisateurs de films d'animation japonaise. Voilà, à découvrir dans ce nouveau numéro. Your Name, un film culte hein, pour moi. Un des meilleurs films d'animation. Avec l'interview du monsieur en question, du japonais en question, voilà, du réalisateur japonais. Pour les fans de bande dessinée. Ouais, et oui, ça c'est pour les fans de bande dessinée. Vous devriez et les droits. Pour les fans de Star Trek, une surprise, ouais. Romain Nejita vous a concocté un petit dossier, enfin un grand dossier même sur Star Trek. Picard et. Oui, Patrick Stewart, Shatner et Picard. Illustration issue du film Star Trek Generations. Là, Romain Nejita vous fait un point sur la franchise avec le retour de la série Picard, évidemment, qui commence, comme vous le savez, sur Amazon Prime Video. La série animée aussi. Là, comme il vous dit, 4 nouvelles séries Star Trek qui vont débuter dans les prochains mois. Voilà, à découvrir donc dans ce numéro, avec les interviews aussi comme je vous l'ai dit, de William Shatner et de Sir Patrick Stewart. Voilà, à découvrir. Ensuite, comme je vous disais dans la vidéo, un des meilleurs films en OAV, c'est-à-dire en direct DVD, sorti direct DVD Blu-ray, c'est Freaks. Voilà, un film excellent que je vous conseille de regarder, ou d'acheter en DVD ou en Blu-ray. Voilà, donc. Freaks. Voilà. Interview des réalisateurs aussi.
Voilà, qu'est-ce que. Et après, vous retrouverez les rubriques de fin habituelles, hein. Notamment une petite critique sur Servant, la première saison. Voilà, donc. Un excellent cru, premier numéro de l'année. Hein. Excellent numéro pour l'écran fantastique, pour Mad Movies 336e numéro. Voilà, à découvrir ce mois-ci. Voilà, donc entre l'écran fantastique et Mad Movies, bah, il faut, ce mois-ci, il faut prendre les deux, hein, les amis. Hein, nouvelle formule pour l'écran fantastique et excellent numéro pour Mad Movies. Voilà, à découvrir donc en ce moment en kiosque. Et voilà tout. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, mes amis. À très bientôt.